Du coup, ça va me faire un truc quand même vachement haut. C'est pas grave, c'est pas grave. On désélectionne la grille. On se met à peu près plus ou moins centré. Et là, on descend. Voilà, comme ceci. Et coucou Lyril, comment ça va? Écoute, moi ça va bien. Je bataille un petit peu avec mes routes, mais sinon ça va bien. Ouais, je pense que je vais reculer ma plateforme pour essayer que ce soit à peu près... que ça se cale, quoi. Faut que je la recule un peu plus. Il faut que je recule aussi du coup là, bidule chose de la clôture. Voilà. Pour reculer la clôture, sinon elle va me gêner. Et toi aussi tu me gênes, sans vouloir te vexer. Je me gêne un petit peu. Bon. Il m'a remis une pente. Je voulais pas de pente, il me remet une pente, il me met escalier, pente, escalier. il vient avec un TLC. Alors là, franchement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire si ça vient d'un DLC et encore moins quel DLC. Parce que je t'avoue que je les ai tous. Donc, et ça fait un petit moment quand même. Enfin, à part pour les derniers qui sont sortis, ça fait pas si longtemps que ça, mais je ne saurais pas dire. Non, mais vraiment, faut vraiment que tu me fasses un escalier pente escalier. J'ai lutté pour pas que tu me fasses ça et tu me le fais. J'ai lutté de toutes mes forces pour pas que ça me fasse ça. Ben voilà! Voilà! Hé! Hey, c'est pas compliqué ce que je demande! Voilà, ça c'est beau, ça c'est propre, ça c'est net. Et ça c'est ce qu'on veut. Et ça c'est des recherches. Qui progresse. Comme ça on a le monorail qui passe sous la plateforme. Ça c'est beau, voilà! Pas si compliqué que ça ce que je demande. Vous trouvez que c'est compliqué ce que je demande? Non. Voilà, on va agrandir un peu cette plateforme. Et du coup, on va faire quelque chose de magnifique. Je ne sais pas quoi, mais on va faire quelque chose de magnifique avec cette plateforme. Cela ne fait aucun doute. Je suis encore en pleine réflexion de ce qu'on va faire avec cette plateforme, mais on va trouver. Déjà ici, il me faut des commerces et peut-être même un restaurant. Donc on va... Non mais je veux aligner sur la grille. Ok, ma grille là ici, elle est morte quoi. Ah, ça m'embête. C'est bon, il se remet bien, sans problème. Il se remet super bien, aucun problème. Après, en vrai, je peux peut-être retirer ça. Et là, on pourrait éventuellement placer des boutiques. Je pense qu'on va y mettre un restaurant dans le coin.
Service visiteur, restaurant, restaurant. Ça, c'est plus fast-food, moi je vois. Oula! Non, ça c'est grand, c'est bien, mais c'est pas un restaurant. On doit en avoir un de restaurant de type asiatique, hein. Ça, on va se le garder pour quand on mettra les pandas. Ça, c'est un restaurant. Il passera pas là ici. En revanche, là ici, il peut carrément passer. Et il fait parfaitement la taille en plus. Par contre, il n'y a pas d'électricité, je suppose. Effectivement. Du coup, on va mettre les locaux ici. Donc, utilitaire. Électricité. Qu'est-ce qu'il me faut en locaux? Il me faut une salle de repos. Une salle de repos de type asiatique. De préférence. On a ça. C'est pas très joli, mais on camouflera. On va venir la caler là au fond. Alors, allez les employés. Ça, c'est pas beau. Que je fasse comme ça. J'ai dit aller deux employés, j'ai pas dit autre chose. Pas très joli tout ça. Ça me convient pas. C'est... Non. Le resto, je pense qu'on peut le laisser là. Le resto, il est même pas... En fait, non. Le resto, on va le retirer parce qu'il est en train de voler. C'est pas grave. On pose, on retire. C'est comme ça que ça se passe. C'est normal. Ça, d'ailleurs, je vais remettre. Bon. On va y arriver. On va faire quelque chose de bien, de joli, de propre. Tu fais un zoo full thème asiatique ou par continent pays? Ouais, plus par continent. Enfin là, on venait vraiment dans une zone du coup asiatique. Je viens à peine de commencer. Et là, on était un peu plus sur du, on va dire, du européen avec l'entrée du zoo. Après, il est pas bien plus grand que ça pour moi le zoo. Il est un petit peu petit, mais il s'agrandit au fur et à mesure. Et là, vraiment, on est dans un thème... On est dans le thème asiatique pour cette zone-là. On va y mettre... On va essayer d'y mettre tous les animaux d'Asie. Si on est comme ça, on est des fous, on met tout. En vrai, j'aimerais bien arriver à faire un zoo avec vraiment toutes les espèces. Ça serait pas mal, hein. Ouais, du coup, notre restaurant...
Bah déjà, je l'ai perdu. C'était lui, non? Ouais, c'est clairement lui. On va le caler du coup un peu plus par là. Ouais, et puis il est légèrement... Ouf. Là, il devrait être pas mal. Parce qu'en vrai, on pourrait prendre l'allée. On aligne ça sur la grille. On va faire un chemin là ici. Le problème, c'est qu'il me faut absolument des locaux du personnel. Impact négatif. En vrai, il n'a pas tellement d'impact négatif. Enfin, la zone est relativement éloignée. Je vais venir essayer de le caler. Donc le bord de la map. Et voilà. Et niveau électricité, faudra remettre un truc par là, mais c'est quasiment tout bon. En tout cas, il y a assez d'électricité pour alimenter le restaurant, donc c'est bon. Ce qu'il faudrait prendre, si vous permettez, j'aimerais bien récupérer ceci. Ça, c'est pour le camouflage. Yep, on abaisse un peu le tout. Ça fait des gros buissons. Hop là, ni vu ni connu. On relève un petit peu. Et comme ça, on voit pas les bâtiments moches qui sont à côté. Personne n'a rien vu. D'ailleurs, l'allée, on a dit, c'est de l'allée employée là qu'on met. Les gens n'y accèdent pas. Bon, on met. Camouflé. Et là, ça nous fait une belle place. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les belles places. Du coup, soit on s'occupe un petit peu de la place ici, soit on essaye de terminer un petit peu l'enclos. Je me demande si on la grandirait pas jusqu'ici, l'enclos. Du coup. Ah non, parce qu'attendez, j'ai un problème de route, là. Ça, faut retirer. Excusez-moi, madame, je vous ai retiré la route sous le pied. C'est purement professionnel, bien évidemment. Parce que là, dans le coin... Sinon, on pourrait pas mettre un vivarium. Ça pourrait être bien aussi, un vivarium. Y a pas assez de place pour faire un enclos. Quoique, en vrai, je suis pas sûre qu'on ait pas la place de faire un enclos. Si on met bien tout ça comme ça, là... En vrai, vous croyez que ça passe, là, un enclos? On rattache avec le béton qui est là.
nous faudrait une espèce. Une espèce d'Asie. Non, pas le statut. De type habitat qui prennent pas beaucoup de place. Le problème, c'est que lui, il est dans le désert. Il est d'Asie, mais il est des désert, donc ça va pas. Dragon Komodo, peut-être. 600 mètres carrés pour le dragon de Komodo. Il n'a pas de besoin de copains. On pourrait mettre les dragons de Komodo ici. Vous croyez qu'on a 600... Un mâle, une femelle. Donc deux adultes, on va dire deux bébés, ça fait du 760 mètres carrés. Je pense que ça passe, hein. Je pense en vrai ça passe. Non, c'est pas habitat, c'est clôture que je veux. Donne-moi du béton. Voilà. Attendez, peut-être un peu trop loin là. Ouais, jusque là plutôt. On vient se raccorder là. Et c'est parti encore un peu loin. On va dire tu te raccordes là. On y met une porte au pif ici. Ce qui nous fait un terrain de 1236 mètres carrés. On peut mettre des dragons de Komodo ici. Écoutez, moi je dis oui, on va clairement faire ça. Par contre, attendez, excusez-moi, mais la porte, on va la virer de là. Retire-moi ça, retire-moi ça, il n'y a pas besoin. Par contre, comment est-ce qu'on va faire cet enclos? J'aimerais bien faire un truc avec des clôtures invisibles, un truc un peu propre, à part à l'arrière, parce que ce sera raccordé avec l'autre enclos. Hop, 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 terrain, 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 c'est là. Non, c'est pas l'intensité que je voulais augmenter. Sur la taille. Voilà, on va creuser un peu tout ça. Et on va mettre des cailloux. Hein. On aime bien. On aime bien mettre des cailloux. Nos petits cailloux qui sont juste ici. Peut-être pas ceux-là. Peut-être pas ceux-là non plus. Peut-être plutôt ceux-là. Ouais, j'ai pas creusé assez profondément, moi. Après, normalement, pas besoin d'une très grande hauteur pour les dragons de Komodo. Mais j'ai plus mes cailloux. Rendez-moi mes cailloux. Voilà. Je suis même pas droite. Je suis même pas droite, sinon ça ferait pas ça. Je suis une droite là. Pas vraiment.
Comment ça se fait que ça va pas droit? Oh, je suis plutôt bien mise. Par contre, ces cailloux, ça fait un trou dans le budget. Hein. Et pas un petit. Hein. C'est top, c'est joli, c'est tout ce que vous voulez, mais le trou dans le budget... Ouch! Il fait mal le trou dans le budget. Toujours pas droite. Je ne serai jamais droite, je crois. Jamais. Non, je suis encore trop en avant. Pourquoi? Non, c'est pas ça que je voulais. On va tourner ça un peu comme ça. Tac. On le recule. Là, normalement, je devrais être droite. J'ai l'air d'être droite, là. J'ai l'air d'être droite, là. Ces cailloux, ils font un vraiment gros trou dans le budget. Pour pas dire qu'ils me tuent tout le budget. Adieu, budget. On t'aimait bien, mais... C'est terminé. Tout est terminé. Alors, on va pas aller trop loin. On va lisser un petit peu le tout. On lisse. Et on va mettre clôture. Invisible. Donc c'est de l'invisible, ça? C'est pas de l'invisible, hein. C'est pas très propre, c'est pas très bien mis. On va corriger ça. On va corriger ça, paniquez pas. Là c'est bon, c'est juste le coin là qui est pas très très bien mis. Et ça, je pense qu'on va le remplacer, celui-là, par du béton. Juste ce morceau-là. On va y mettre du béton. Et voilà, comme ça, ça devrait rendre quelque chose de plutôt pas mal. Non, pas habitat. Clôture. Il faut mettre une porte, quand même. Retourne-toi, petite porte. Voilà, dans ce sens-là, ça nous... Thank you.
Tu vas pas refuser de te coller quand même? Oh, bien sûr que si, que tu vas refuser. Un peu qu'il va repousser. Non! Il est en train de tout me casser. Il me casse tout! Je sais qu'il y a la modification du terrain. Pourquoi? Pourquoi faut-il que tu m'embêtes? Non. Voilà, et là il veut bien. Allez chercher à comprendre des fois. Hein? Bon. Voilà. Moi je cherche plus à comprendre. On teste de toutes les façons possibles et il y en a forcément une qui finit par fonctionner à un moment ou à un autre. Pourquoi? On ne sait pas, mais bon, tant que ça fonctionne. Écoutez, je ne vais pas m'en plaindre. Au moins, ça fonctionne. Du bambou! Du bambou partout! Bambou, c'est la vie. L'attente d'attente, elle est moins en moins longue ici. Il y a plus de gens qui viennent. Par contre, là, on va peut-être avoir un problème. On va creuser un peu plus, mais on va pas pouvoir. Ah! Quelles sont les chances pour que le dragon de Komodo il sorte pas là? C'est du 1 mètre qu'il faut. Avec un peu beaucoup de chance. Un mâle, une femelle. On est d'accord qu'ils sont que deux. Ils veulent juste être deux, pas plus. Hein. Ok. Les recherches qui progressent. C'est bien, progresser les recherches. Du coup, on va essayer de les intégrer. On va voir ce que ça donne. Parce que si là ici ils peuvent sortir, bah ça me pose problème. Et pas qu'un peu, mais... Ils arrivent, mes dragons? D'ailleurs, en vrai, j'ai pas fini d'aménager cette place. On pourra peut-être finir de l'aménager aussi. Je me disperse! Je commence à me disperser et à commencer les trucs un peu partout. C'est pas bon, ça. Avant de commencer quelque chose, faut terminer. Ici, il n'y a pas de banc, il n'y a rien, c'est pas beau tout ça. Ah, ils ont l'air d'aller quand même jusqu'au restaurant, même s'il n'y a rien d'aménagé. Bah ouais, ils vont jusqu'au resto. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais ils arrivent un jour, mes dragons, là, où ils sont où? Ouais, ils sont loin, ils sont loin. En même temps, j'ai qu'un seul centre d'échange, donc forcément, faut qu'ils traversent tout le zoo.
Ça y est, on en a un qui est arrivé. Alors, grande question. Bah, c'est bon. Il sort pas de l'enclos, il n'y a pas de problème. Bon, la configuration du terrain, ça lui va pas du tout, mais sinon, à part ça, on voit bien. Il leur faut du sable et de la roche. Contre la question, est-ce qu'on leur mettrait pas de l'eau quand même dans leur... Attendez, on va mettre pause. En vrai, je verrais bien leur mettre de l'eau. Ouais, juste... Ouais, c'est pas valide, je sais, mais t'inquiète pas, c'est normal. Paniquez pas. Pour ça que j'ai mis pause. Voilà, juste retirer ça. On creuse juste un peu plus. Venir jusque là, juste comme ça. On remet. On remet l'eau. On modifie la clôture. On referme. Par contre, attention parce que là, petit problème. Petit problème résolu. Par contre, c'est juste un tout petit point d'eau. Et vu que c'est un mur en béton, je pense que ça ne circule pas. Donc, ouais, peut-être plus que je mette un mur en grille. Faut plus mettre un grillage. Et normalement, ça pose pas de problème. Ok, niveau terrain. On va partir principalement sur... sur de la terre. Ah, trop de terre. Trop de terre, tue la terre. Oui, il nous faut aussi de la roche. Il leur faut aussi du sable, mais ils en veulent des choses. Ok, niveau sable, on est bon. C'est au niveau de la roche. On va mettre la roche lisse. Ça ne va pas. Ok, là comme ça, on est tout bon, on est tout ouvert. Ils veulent pas de l'herbe, c'est pas leur truc. Hein. Clairement. C'est pas leur truc. Les optimisations, forcément, ça ne va pas. Et il leur faudrait quand même un abri solide. Est-ce que vous croyez que ça leur plaît si on leur met ça comme abri solide? Ça fait un peu grotte, mais un peu grotte... grotte tropicale, mais ça peut peut-être leur plaire, non? Que ça leur plaît pas. Et donc j'ai une plus grosse grotte comme ça. Ça peut leur plaire. Genre on la met ici. Ils ont accès au moins. Ouais. Pas énormément aussi, c'est pour ça. Le problème, c'est que le terrain qui est en pente, ça n'aide pas non plus.
Putain, elle était pas mal la grotte. Sinon, ce qu'on peut faire. On a plané un petit peu ici. Ouais, je sais, ça fait un trou, faut faire gaffe. Ça fait un trou sous la clôture. Et là, il n'y a plus de trou. Aussitôt fait, aussitôt réglé. En vrai, elle est pas mal quand même cette grotte. Moi j'aime bien cette grotte, je trouve que ça leur va bien. Mais eux, c'est pas. Ah si, là on est monté à 66, on est dans le vert, c'est pas. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal ça, 66. C'est plutôt pas mal du tout. Habitat. Non, pas les optimisations. Nourriture. Non, pas à prévoir. On va leur mettre un grand plateau pour manger. Juste ici. Bon, là, c'est la base de la base, mais quand on aura les améliorations et tout ça... En termes de... Ouais, il leur faut quand même des plantes. Mais pas trop non plus. Moi, j'aime pas quand ils ont une limite de plantes. Moi, j'aime bien quand on peut mettre plein de plantes partout, que ça leur pose pas de problème. Du coup, on va déjà commencer par camoufler ce mur en béton qui est moche. Mais j'en ai besoin, de toute façon, du mur en béton. Donc, hop. Des petits bambous et le mur en béton moche, il est camouflé. D'ailleurs, c'est même tout le mur, là, ici, qu'il faudrait camoufler. En vrai. En vrai, de vrai. Plus camoufler... Tout le mur. Ah, même jusqu'ici. On camoufle. Voilà, c'est quand même vachement mieux quand c'est ma camouflée. Regarde un petit peu ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut leur mettre. On va mettre des petits nénuphars sur l'eau. Voilà. Parce qu'ils ont juste un tout petit coin d'eau, que faut pas qu'ils soient jolis leur petit coin d'eau. Pam, pam, en plus ils le partagent. Ça, c'est beau. Ils commencent déjà à être très bien nos petits dragons de Komodo. Niveau recherche vétérinaire. Ah bah c'est bien, les papillons sont enfin terminés.
Bah on va lancer les dragons. On commence à avoir beaucoup de recherches à faire, hein. Il va peut-être falloir embaucher du personnel pour ça. Hein. On va leur mettre quand même des cailloux. Je vais reprendre mes cailloux qui sont ici. Reprenons nos petits cailloux. Ouais, les cailloux, ça meuble bien. Un petit ici. Est-ce que ça vous gêne niveau espace? Ouais, beaucoup quand même. Mais niveau terrain, on est toujours bon, donc c'est bon. Bah écoutez, ils pourront circuler au milieu des cailloux, ça sera très bien. C'est très bien, non? Bah ouais, faut de la végétation, même s'ils aiment pas trop l'herbe, on va en mettre quand même. Hein. On va peut-être éviter d'en mettre dans le sable. Le sable, on va le laisser... On va le laisser sableux, le sable. Alors là, c'est pas dans le sable, donc là, on va mettre un peu de plantes. Non, je me suis trompée de touche. J'ai fait une bêtise. Des choses, elles arrivent. On se trompe de touche. Ben, ça fait des bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Ils font des waouh. Soyez gentils avec les dragons de Komodo. Sinon, ils vont venir vous manger. Faites gaffe, hein. Ils en seraient capables. Faut se méfier, les petits dragons de Komodo. Voilà, ils vont être tout mignons comme ça, nos cailloux. L'avantage avec un enclos comme ça, c'est qu'il est relativement petit. Du coup, bien plus facile à aménager. Clairement, beaucoup plus facile à aménager. C'est bien les petits enclos. Je pense bien on va y mettre un gros cerisier. Ouais, genre juste ici derrière les cailloux. Beau petit cerisier. Faudrait que j'y mette autre chose comme arbre. Hein, comme arbre. Ça, je suis pas très fan. Bon, ça, en vrai, c'est une jolie petite plante qui peut aller dans les...
dans les rochers, hein. Petite plante de cailloux, ça c'est des vignes. Mais c'est ça que j'aurais dû mettre sur mon bâtiment, moi, c'était des vignes. Ça c'est gros, ça c'est très très gros. Un animal s'est échappé. Comment ça un animal s'est échappé? Bah en quoi il s'est échappé lui? Il est toujours dans son enclos, il s'est pas échappé. Pourquoi vous me dites qu'il s'est échappé? Ah oui, non, parce que l'enclos... Je vois pas jusqu'où il va. Ouais, c'est juste parce que ça tourne un petit peu, il est allé dans le coin. Eh, les mecs, ça va, hein. Je peux pas sortir, hein. Ne faites pas des frayeurs avec qui il s'est échappé, il s'est rien échappé du tout. Je crois qu'on manque de soigneurs. On va peut-être embaucher... On va embaucher deux petits soigneurs en plus. Non mais... des frayeurs. Oh, l'animal s'est échappé. Non, arrêtez, il s'est rien échappé du tout. Franchement. Il est allé dans le coin, le truc n'allait pas dans le coin, c'est tout. Hein. Peut-être pas exagérer non plus. Hein. Vous avez vu comment ils veulent me faire peur? Mes enclos, messieurs, sont très bien faits. Les animaux ne se sauvent pas. La commission de sécurité. En plus, les mecs, ils doivent être trop contents dans la file d'attente. Ils ont vu le bébé venir juste à côté d'eux pendant qu'ils attendaient pour leur petit tour, là. C'était trop bien. Là, dire qu'il s'est échappé, n'importe quoi. Oh, j'ai envie de mettre un saule pleureur. Petit saule pleureur, là, comme ça. C'est pas mal. Ils en pensent quoi, mes petits dragons? Propre trait de l'habitat. Bah écoutez, ça va, j'ai rajouté du personnel. Oh, bah c'est pas grave hein, si tu valides pas un ours. Oh, on te demande pas de venir. Hein. Tu valides pas, et bah écoute. Tant pis pour toi, tu rates un zoo incroyable. Ouais. Oh, regardez ça, ça fait une arche avec des ronces entremêlées. Regardez, on peut mettre des... Oh, je veux faire ça. Je veux mettre des ronces. Enfin, des ronces ou des racines, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Qui grimpent sur le grillage. Oui! Mettre des racines là qui montent sur le grillage!
Voilà, c'était juste pour que ça monte sur le grillage. Bah dis donc, ils ont du succès, mes petits dragons de Komodo. Mais les ours, il y en aura, mais là... Chaque chose en son temps. Hein. La patience est une vertu. Patience. Patience.